Chang au saut à Pékin il y a 3 ans. Quelle longévité pour cette athlète qui est aujourd'hui de nationalité allemande, alors qu'à la base, elle vient d'Ouzbékistan. Chuzovitina, qui en 1997, ici à Cottbus, avait gagné l'épreuve au sol, à la poutre et aux barres asymétriques. Elle est toujours là, hein. L'une salto avant vrille. Vous avez vu la réception là. Ça paraît simple. La lune, le salto avant, la vrille et la réception. Voilà, la recherche parfaite. Alors au saut ici, elle a gagné l'année dernière, en 2008, 2007, 2004, 2003 et 2002. Elle a un palmarès énorme. Gros comme un bottin téléphonique, s'il y avait encore des bottins téléphoniques. Je pense que c'est la plus vieille athlète du circuit. Ah oui. Allez, elle va tenter un deuxième saut, certainement Tsukara. Olympiasieg mit der letzten sowjetischen Turnriege in Barcelona. Und dann müsste ich eine Viertelstunde reden, um all ihre Erfolge aufzuzählen. Bringt nichts. Wir freuen uns, dass sie ein Vorbild für Deutschlands Kunst und Jugend ist und für die Welt. 14:40, le premier saut de Chuzovitina. Zweiter Sprung. Allez, un deuxième saut pour conserver son trophée ici à Cottbus. Eh oui, Tsukara vrille et demi. C'est mieux sur l'exécution, hein, effectivement. Regardez la rondade, le salto, la vrille et demi, jambe tendue. Le sursaut sur la réception, un dixième. Ah, elle va tenir, hein. Il va falloir aller la chercher. Ça, ça a weltweit noch nie gegeben. Mit 35 Jahren im Kunstturnen Weltspeziale beklagten die immer jüngeren Leistungsalter. Jusqu'à ce que l'envie. Ah, effectivement. Puis il y a aussi le fait que le saut cheval n'a pas vraiment évolué. Donc elle est toujours dans le coup. Regardez, elle est toujours devant. 14:312 pour Oksana Chuzovitina. Ce qui lui permet de rester, d'être en tête et de remporter cette épreuve de Cottbus au saut de cheval.